Un artiste complet. Après avoir montré toute l'étendue de son talent dans la chanson, Amir est prêt à en faire de même dans un tout autre registre. À 38 ans, celui qui a été révélé dans le télécrochet The Voice fait ses premiers pas au théâtre. Le mari de Lita Ladad est actuellement à l'affiche du théâtre Marigny dans le seul en scène intitulé Sélectionné. Dans ce spectacle, joué du 19 janvier au 2 avril 2023, il incarne le nageur Alfred Nakache. Pour cette occasion, Amir est l'invité de Bernard Montiel dans l'émission Une heure avec, diffusée sur les ondes de RFM ce samedi 21 janvier. Sans préambule, l'animateur radio lui a avoué avoir été totalement bluffé par son jeu de rôle. Tu es vraiment bouleversant. Est-ce que tu as conscience que ton destin va changer à la suite de cette performance? Amir, on est copains. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, je peux te dire que ce que tu as fait là c'est exceptionnel, c'est magnifique, vraiment, lui a-t-il confié. Un compliment qu'a reçu l'interprète du titre J'ai cherché avec un large sourire. Voyant qu'Amir est sur tous les fronts artistiques, Bernard Montiel lui a demandé laquelle de ses carrières il choisirait en priorité. Et la réponse du père de famille ne s'est pas fait attendre. Pourquoi choisir? Il n'y a pas besoin de choisir. A-t-il déclaré du tac au tac. Avant de poursuivre, je vois suffisamment d'artistes que j'admire faire conjuguer deux carrières, deux passions, voire plus parfois. Dès lors, Amir a assuré ne pas vouloir mettre sa carrière de chanteur entre parenthèses. Je continue tant que j'y parviens. Et je me donne les moyens pour. Je fais le maximum, a-t-il conclu sans langue de bois. Une nouvelle qui ne pourra que ravir ses nombreux fans. Supérieur à supérieur à Chimène Badi, Camélia Jordana. Ces stars sont toutes passées par des télécroches de Samir, ce projet étonnant qu'il souhaite concrétiser. Amir est définitivement un homme de tous les défis. Interrogé par Bernard Montiel sur un projet qui traîne, le chanteur a levé le voile sur ce prochain challenge qu'il souhaite relever. Tu connais mon amour pour le sport, déjà. Le marathon de New York, a-t-il révélé. Une annonce qui n'a manqué de surprendre le proche de Laetitia Hallyday. Non, tu vas faire le marathon de New York. A-t-il renchéri, curieux d'en savoir plus à ce sujet. Ce à quoi lui a répondu l'artiste, déterminé à parcourir plus de 42 km. J'ai envie de le faire. Je suis en train de vérifier pour m'inscrire. J'adorais le faire, a-t-il avoué avec enthousiasme. L'interview intégrale de Amir par Bernard Montiel est à écouter ce samedi 21 janvier, dans Une heure avec, sur RFM, dès 12h. Crédit photo, capture d'écran RFM.